Allez, salut à tous, c'est Nyxos, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 sur Uncharted Territory 3, donc du coup. Et aujourd'hui, la suite de notre aventure avec des débuts un peu lents, et j'ai trouvé un petit passage secret en off, vous montrer ça. En haut de la cascade, il y avait un coffre avec juste un poisson dedans. Écoutez, j'ai juste pris le poisson, et voilà. Donc j'ai récolté le charbon qu'on avait vu sur les parois. Il me semble que j'ai tout pris. Et la poudre de creeper. Ah! Peut-être looter une pelle, ce serait pas mal. Ok. Alors par contre j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième spawner. On va essayer de le casser avant qu'il y en ait un qui spawn. Oh yes. C'est ça qu'on veut. Alors il y avait une araignée là-bas, ok. Par là il y a un peu de... What? Ok. Il y a des creepers qui tombent. Je sais pas par où ils sont arrivés mais... Ils arrivent. Aïe, évidemment. Aïe, évidemment. Ok. Tu m'as pas eu, toi. Encore un creeper. Et toi, tu crèves. Ouais, l'araignée, on va la tuer. Parce que... Quand on passera la nuit, elle va m'attaquer. J'ai pas trop envie que ça se passe comme ça. Alors, le melon. Waouh, 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 waouh. What the fuck? Putain, un creeper qui spawn dans mon fion, quoi. Ah bah, d'accord. En fait, les spawners, ils sont en dessous. Ok. Pas très gentil, ça, Amloomp. Allez, dépêche-toi. Ok. Alors, j'ai cru entendre un archer, mais... Ok, non, ça va. Bon, putain, je suis déjà niveau 25. Ce serait pas mal de trouver une table d'enchant de foule parce que là. Ok, je suis full melon. Alors, on va. On va en manger. Voilà. Et là, il en reste quelques-uns. Ouais, bon, allez, on va dire que c'est good. Oh là là, l'armée quoi. Oh non, 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 pas les petites bleues. Non, 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 putain. Ah là 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 là, sa mère. Ok. Alors, va falloir qu'on éclaire tout ça un peu là. Merde, putain, évidemment, je me suis pris dans une toile. Ah, il y a une sortie là. Allez, vite, faut casser ça. Et merde. Ok. Évidemment. Il y a un coffre. Il y a un coffre, les amis, il y a un coffre. Ok, j'ai l'impression que j'ai cassé tous les spawners. Ah non, putain, il y en a encore un là. Ah non, il y en a encore un autre là. Putain, il y en a 4. T'es sérieux? Ouais, et puis je pense que c'est juste un début. Hein. Hop. Ok. Alors, oula. Oula là, là. Pas mal de choses. Alors, les Bottle of Enchanting, on prend. On va essayer de prendre tout ce que je peux prendre au max. Ça, c'est cool. On va acheter. Ma pioche cassée. Les os, je peux les prendre. Ok. Ça m'a fait peur, ça. Derrière, je sais pas trop ce qu'il y a. Ah non, d'accord, ok. Derrière, c'est... Ok, on aurait pu passer par là. Moi, j'ai fait le grand tour. Alors, chaîne bot, ça, il faut que je prenne. Alors, on va juste poser la cobble. Ouais. Ouais. Je pense que le mieux, c'est que je jette ça et que je garde ça. On va prendre la golden apple. Les potions, les potions. On va prendre le fil. La cobble, ça aurait été pas mal que je la prenne, mais bon.
Je sais pas trop quoi acheter, c'est un peu chiant. Alors, limite, ce que je peux faire, c'est manger une soupe. Hop, et comme ça, on peut prendre par exemple la speed potion. Et puis, bon, bah écoutez, tant pis pour la cobble, hein. Alors, la suite de nos... Ok. Ok, il faut surtout pas tomber là-dedans. Il y a du spawner déjà. Alors, par où je vais? En bas, il y a un sacré trou. Oh là là. Ça me paraît grand, ça me paraît grand, ça me paraît grand. Alors déjà, on peut monter, je pense. Non, ça sert à rien de monter, je crois. Ah, quoi que si, en fait. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Ouais, je savais que tu pouvais le faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce troll? You can just about take me the world. Did you really expect to find me here? Ok. Alors, en gros, c'était logique qu'il n'y a rien. Par contre... Oh merde, le con. Je le savais. Oh merde. Oh merde. Eh merde. Eh merde. Ok, heureusement ils savent pas nager. Putain. Mais vu le temps que j'ai mis à le casser, je me doutais qu'il y avait une connerie, quoi. Et comme un con, j'ai pas réfléchi. Alors là où il y a une espèce de spawner, non? Ok. Alors, par là, d'accord. Ok, un grand trou. Par ici, pareil, on tombe. Ah. Ok, je t'avais pas vu toi le petit spawner là. Je t'avouerai que je ne t'avais pas vu. Allez, casse-moi ça. Ok, on continue. On vérifie qu'il n'y a pas de spawner. Petite torche là. J'ai vu une araignée en bas. J'ai vu une araignée. Il n'y a rien par là, là, ça me paraît bizarre comme petit coin. Ouais, je sais pas. Alors, par là. Ah, mais ça m'embête de descendre parce qu'en haut, il y avait un coffre. Attendez, on va essayer d'aller choper le coffre. Il y avait un coffre là, voilà. Il y avait même un spawner. Ok, tu m'as gros de loin, toi, dis-moi. Faut que je mange. Ok, j'ai cru que j'avais paumé mon melon. Oh putain! What the fuck? What the fuck? Ok. Oh là là, ok. Ça spawner un squelette qui est en haut. Bon, alors on va attendre de régénérer un peu la life avant d'y aller. Bon, du coup, ce qui m'embête, c'est que niveau bloc. J'ai pas beaucoup de blocs, ça m'embête. J'ai pas envie de gâcher des blocs de bois, mais d'un côté, je sais pas trop quoi acheter à côté. Je pourrais acheter quoi? Pff, les champignons. Les champignons. Alors, on va juste prendre quelques blocs. Histoire de pouvoir monter là-haut. Parce qu'en même temps, je dis ça comme ça, mais je pense que c'est difficile de monter en bas. Oh! Alors, on prend ça. 12 blocs. Ça devrait le faire pas mal. J'ai pas mal de flèches. Malheureusement, j'ai pas d'arc.
Allez, viens là, mon petit loup. Allez, on casse ça rapidement. Ok. Je t'ai vu, petit creeper en bas. Hein. Je t'ai vu, t'inquiète pas. Je sais que tu es là. Non, je peux pas. Ok, voilà. C'est ça que je veux faire. Alors. Lacérator level 2. What the fuck? Sharpness 1, Knockback 1, Fire Aspect 1. Ok, d'accord, si tu veux. Eh bah écoute, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux jeter? Ah mais je sais ce que je peux faire. Je peux faire un briquet. Et du coup je jette ça et ça. Et je récupère ça. Bon là-bas il y a un spawner mais on s'en fout. Puisque voilà. Puisque voilà, on s'en fout. Bon alors, petit creeper, où es-tu? Tu es là. Ok, pas de problème. Bah écoute, vas-y. Fais-toi plaisir, explose. Ça me va. Alors. On descend. Ok, l'araignée elle arrive. Ou pas. Donc il y a un sacré bloc de monstres en bas là. Par là y'a quoi? La question c'est est-ce qu'il y a un coffre plutôt hein? Pas l'impression. Ok, y a pas mal de monde là. Y a pas mal de people. Ok, ça spawn. Bon, c'est parti pour le fight. Allez, crève-toi. Wow, baby zombie, t'es sérieux là? Oh putain, archer en plus. Allez, venez là, bande de petites putes. Ok, non. Oh merde, le petit bébé, il va vite, hein. On va pas venir. Hein. Ok, parfait, ils sont en train de se taper la gueule. J'ai le temps de manger. Bon, allez, vous vous entretuez, histoire que je puisse venir. Merde, j'ai plus d'épée en fer, ça fait chier. Ils sont par où les spawners là? Ok, je sais pas où sont les spawners. Je sais qu'il y en a un sous terre là, mais je vois pas où. Donc bon, du coup, tant pis. Bah écoute, allez, crever, bande de fumier. Faut que je récupère ça et à tous les coups il y a un spawner. Oh putain, il est juste là. Ok. Putain, la bouffe descend vachement rapidement, je trouve. Merde, il aurait fallu que je casse ça vite fait. Ouais, la bouffe descend vachement rapidement, je trouve. On fait à peine deux pas et peut-être le melon qui fait ça. Ah mais je crois que c'est ça l'histoire de saturation, c'est genre y a des bouffes qui durent plus ou moins longtemps. Ok. Bon, on va pouvoir. Oh, j'ai cru voir un spawner. On va pouvoir récupérer le bois. Ok. Bah écoutez, on va pas aller tenter le. Oh, y a un brick, y a de la brique, y a de la brique. La brique, ça veut dire coffre, ça. Alors c'est peut-être pas du tout ça, mais écoutez.
Eh si, ça c'était sûr. On va juste bloquer l'entrée. Quoique c'est complètement con parce que les araignées peuvent passer, mais bon. Alors, du rock pork. Oh, ça c'est parfait, des torches ils vont manquer. Des leaders, c'est-à-dire qu'elles vont en avoir besoin. Ouais, alors on va acheter celle-là, on va plutôt prendre les cracks vu que j'en ai 34 du coup. Les briques, je sais pas trop du tout à quoi ça peut me servir. Les leaders, on va les prendre. Que je réfléchisse un coup. La pioche. On peut faire l'inverse, je pense. On va acheter celle-là. On va garder ça. Alors, les échelles. Qu'est-ce que je vais pouvoir jeter comme échelle? Comme échelle, comme bloc. Oh, on va pouvoir jeter le poisson, je pense. Et le rock pork chip, ça aurait été bien que je le fasse cuire, mais j'ai pas assez de. J'ai pas de cobble, donc à mon avis, ça va être difficile. Ou alors, à la limite, je jette ma table de craft. Allez, on va faire ça. En espérant que. Hein, voilà. Allez, c'est parti. On rush. Voilà. Ok. Ça, hein, que je bloque l'entrée, ils sont plus là. Donc, stress. Ah, parfait. Voilà un truc que je voulais. Ah non, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est une intersection. D'accord. Alors, Overgrowlow, c'est de là où je viens. Dusty Groove, Desolate Flesh Boundary et Tour of Light. Et donc, en gros, ça c'est les différentes zones où on va pouvoir les laines. Donc là, on va pouvoir récupérer la laine orange. Là-bas, la laine blanche, la laine violette. Là où j'étais, il n'y avait pas de laine. Et oh, parfait ça, parfait. Oh, il y a un lit. Oh putain, t'es sérieux quoi? OMG! T'es sérieux? Mais juste, what the fuck quoi? Putain, je dois. Oh là là, t'es sérieux? N'importe quoi le truc quoi. Ah c'est un fumier ce mec. Mais c'est un fumier mais merde, mais je lui pisse à l'arrêt mais oh là là. OMG quoi. Ah j'ai totalement le seum. Ah là là, et puis j'ai pas, j'étais sûr d'être safe quoi mais ah oh, putain, mais putain, j'ai juste fait clic droit sur le lit quoi. Sérieusement, en plus c'était de l'instant quoi, c'est pas comme si la TNT elle a dit je vais exploser, c'est bah j'explose, au revoir, tu crames. Putain, mais sérieux quoi. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ou comment bien finir un épisode? Putain, j'ai déjà une mort à l'épisode 2 quoi. En plus, j'espère que mes items vont pas despawn le temps que j'arrive. Le seul truc qui m'embête, c'est que. Ok, c'était une mauvaise idée ça. Le truc qui m'embête, c'est que il y en a qui ont dû cramer. Oh là là, putain, sérieux, je le hais le mec quoi. Je le hais, toute sa famille, lui, tout le monde quoi. Allez, décale-toi. Non! Putain, t'es sérieux. Oh! Un sapling. Du premier coup. Bon. Le truc, c'est que j'ai encore pas mal, j'ai encore la grande zone à traverser là-bas. Oh, quoi qu'on va passer par la flotte, ça ira plus vite. Ah là 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 là, t'es sérieux quoi. Bon, j'y suis, ça va, c'est plutôt rapide. Oui, je t'ai vu toi. Bon, bah vas-y, je suis plus à ça près, explose hein. Bon, moment de vérité. Oh putain, il y a des pork chips con. T'es sérieux? Ah, il y a un coffre. OMG quoi. Ok. Alors ça, je m'en tape. Du coup, mon stuff, je le remets. Oh non, j'ai perdu mes. Ouais, dans l'histoire, ça m'a détruit mon. Ouais, dans l'histoire ça m'a cassé. Alors,
J'aimerais bien faire sortir les onzons là. Ouais, j'ai perdu mes boots dans l'histoire. Des fences. Bah écoutez, avec les fences, on va faire cuire de la bouffe. Les deux pork chips déjà. Bah parfait, les boots elles sont là. On va jeter ça histoire de les mettre. Le melon, ok. Le pain, cooker chip, du bois. Et la pioche, ça serait pas mal que je la prenne. Alors là, il y a quoi? Oh, des enchantes, des épées. Bottle of enchanting, on va les laisser là. Un lit, ouais, d'accord, ok, c'était prévu. Que ça explose. Ok, il fait pas nuit. Serait bien que je les tue maintenant, deux, parce que il m'énerve un peu à être là. Ok, voilà. Déjà là, je préfère. Je préfère ça. On va juste hop, bloquer ça. Alors, ici, tu m'as fait cuire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire cuire? Déjà ça. On va prendre du melon pour l'instant. C'est la meilleure nourriture qu'on ait. Ok, je vais voir tout ce que je peux prendre sur moi. Après, on fait le tri. Ah bah voilà, il y a une porte là. Elle est où la pioche? Là. Hop. Ok. Ok. Tac. Alors, on va juste prendre. On va juste prendre ça. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait sur lui? Qu'est-ce que je pourrais jeter? On va Jungle Wood, allez. Tac, tac. Voilà, comme ça déjà j'ai un plus grand coffre. Alors. Ouais, non, mais ça sert strictement vraiment à rien. Ça, on peut jeter, clairement. Bah, j'ai un full stuff, donc du coup. On va pouvoir jeter ça. Mes torches, je les garde, il faut que j'en refasse. Non, ça sert à rien que je garde ça. Les bouquins. On va les mettre de côté. Ma craquette stone, je la prends sur moi. Je vais laisser un peu de bouffe ici quand même. Histoire de dire. On va hop, faire cuire. What? Tu m'expliques comment t'es arrivé là, toi? Vous m'expliquez. Ah putain, bah oui, je suis con moi. Je suis con, moi j'ai mis ce bloc là. Alors forcément, il passe derrière. Moi, bon, il serait pas mal que tu rentres dans ta cage, toi. Ah bah oui, parfait là. Ah ouais, ce serait parfait. Oh bah parfait. Eh, j'aurais pas fait mieux. Allez, tu vas dans ta cage, toi. Allez, dans ta cage. Ok. Et bah voilà. Comme ça, ils bougent plus. Et ils font pas chier. Alors. Tac, oui, ce serait bien de récupérer ça pour que ça cuise. Alors, niveau bouffe, on va mettre ça là. J'ai 16 cookies, j'ai encore 48 melons, je vais en prendre que 30 plus ça suffira amplement, je pense. Tout ce qui est potion, on va poser. On va poser. Bottle of Enchanting. Niveau épée, je suis pas large du tout, donc il serait bien que j'en fasse. On va faire une épée en cobble. Serait bien de refaire deux épées en bois même derrière. Histoire d'être tranquille, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'épées quand même là. Même si je suis con parce qu'ils viennent de m'en donner une. Donc elle, on va la mettre là. Tac, tac, tac. Ça, on met là. Il faudrait que je me refasse des torches, ce serait pas mal aussi. Hein. Ouais, 27, c'est pas fifou, c'est pas folichon, mais ça passe. On va garder ça. Ici, en plus, j'ai encore du pork chip qui a cuit, donc c'est parfait. Ça,
C'est parfait. On va poser les baguettes patatoes. On va prendre 5 comme ça. Ouais, donc tout ce qui est bouffe, on a dit que ça allait être là. Oh, ça va, j'ai pas mal de bouffe, franchement. Je pensais que ça allait être plus short que ça niveau bouffe. Hop, déjà on va faire ça. Ouais, les flèches, on va en garder. On va en garder 20 sur moi, histoire de dire. Même si j'ai pas encore d'arc, ça peut prédire l'avenir, prévoir le futur. Seul le futur nous dira ce que l'avenir nous réserve, comme dirait un grand philosophe. Ok, ça, Osef. Parce que de toute façon, j'ai pas de dirt, donc. Je peux pas faire pousser d'arbres, on va pas aller loin. Parce que ici, j'ai pas l'impression d'avoir vu de la dirt. Ouais, non, ici, y a pas de dirt, hein. Je sais pas où c'est que je vais trouver de la dirt pour planter mes cactus. Mes arbres, moi, mais. Alors par contre je sais pas par quel ouais, par quel truc commencer, ça c'est un peu chiant. Enfin par quel hop, quelle nouvelle zone commencer. Alors désolé je tourne en rond depuis tout à l'heure quand même pas mal. Le lacérator je pense que ça fait mal, ça je suppose en vue le long. Niveau pioche ça va. Ça il faudrait que je le mette plutôt là. Ça on va plutôt mettre ça là comme ça, voilà. Le fil, on pose. Le melon, le briquet, la houe, on pose. Et bah écoutez, ça me paraît pas mal. Les leaders, ça me saoule un peu de les prendre, je vous avouerai, ça me prend de la place. Bah écoutez, on va faire comme ça. Et donc, bah, on va se diriger vers la nouvelle zone. Je sais pas trop laquelle on va prendre. Attends, du coup, j'ai perdu tous mes XP. Ça, c'est plutôt chiant. Donc, du coup, non, on va peut-être me refaire quand même pas mal de torches. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup de torches. Hein. J'en ai pas beaucoup du tout. Ok. Bah voilà. Ok, bon. Alors écoutez, la prochaine fois, on va aller sur une nouvelle zone. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Et encore désolé si je suis long, mais je vous le rappelle encore et toujours. C'est ma première map aventure Wool Monument. Hey player, I just want you to know that I'm rooting for you, good luck in there. Oh! Non, j'ai cru voir. Hein. I'm rooting, parce que je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Ok, enfin bref, allez, moi je vous dis à la prochaine. Ouh, ça descend.